Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call. And I'll be on a réfléchi longuement à ce qu'on va faire avec notre eau potable. Soit la transporter sur le bateau dans des chaudières comme ça, ou avoir un dessalinateur. On a opté pour le dessalinateur. C'était très dispendieux. Ça coupe dans le budget d'en acheter un. Mais on pense qu'on va être plus autonome possible avec ça. Ça va être la meilleure solution, c'est d'aller avec un dessalinateur. On a acheté un Katadyn, le modèle 40. C'est un petit. Il ne requiert pas beaucoup d'électricité, environ 4 à 5 ampères. Fait que c'est ça qui va être le fun d'être autonome sur le voilier en électricité aussi. Voici notre kit. On a pas mal acheté les fittings qui nous prenaient. On a acheté pas mal les fittings que ça nous prenait. Pour pouvoir. Qu'est-ce qui est plus compliqué là-dedans? Là? C'est faire une installation virtuelle. On n'est pas au bateau. Fait que c'est dur de savoir quelle longueur de hose qu'on va avoir besoin, quel fitting qu'on va avoir besoin. Fait. J'ai acheté un paquet de fittings pour être sûr d'avoir tout ce que j'ai besoin. Moi, je suis arrivé au bateau. Assez de penser à toutes les circonstances pour pas qu'il nous manque rien. Des filtres. Ça, ce filtreur-là, il venait avec. On a acheté un filtreur supplémentaire si on va en avoir besoin d'un pour un filtreur primaire et secondaire. On a rajouté notre kit, un TDS meter, pour savoir notre salinité d'eau. Ça ne vient pas avec, malgré que les prix qu'on a payé de dessalinateur. Mais c'est un bel petit instrument pour savoir vraiment si notre dessalinateur fonctionne. Et quand on part le dessalinateur, le premier d'eau qui sort, il reste encore trop, la salinité est trop haute. Fait qu'avec ça, ça nous permet de savoir quand est-ce qu'on peut dévier l'eau à nos tanks d'eau, une fois que l'eau elle va être bonne au goûter aussi en même temps. Parce qu'on peut aussi, j'ai fait une petite sortie ici, fait qu'on peut dévier l'eau aussi, qui va être dans le robinet de la chambre de bain, qu'on va pouvoir voir si goûter l'eau avant de l'envoyer, transférer à nos tanks, pour être sûr qu'il n'y a pas de sel dedans en même temps. Puis on a ça pour confirmer. C'est une autre petite chose qu'on a rajoutée. On a revenu aussi notre petit compteur aussi, parce qu'après 1000 heures d'utilisation, Katadyn recommande de faire un kit d'installation complet. On a aussi acheté un kit complet, qui est très, tout ce qui est Katadyn très dispendieux, là, mais on a acheté aussi un kit. Fait qu'on voit notre kit, si jamais quoi qui brise, quoi qui coule, le dessalinateur a un problème, on a un kit pour le remonter en stock sur le bateau. On a rajouté aussi un strainer. J'ai pris celui-là de Katadyn complètement, puisque c'est le seul que j'ai pu trouver qui avait un mesh en 3/16 stainless qui est plus résistant pour la corrosion. Ça va être le pré-fit, ça va vraiment le pré-fit. Le passe-coque, ça va être directement là pour pouvoir mettre notre citrine auto avant qu'elle tombe dans le primaire et dans le secondaire. Celle-ci, je vais trouver la braquette pour mettre en stainless toujours. Je vais avoir toutes les pièces en stainless. Il y a le moteur là. Voici. C'est fun parce que c'est vraiment compact. C'est vraiment silencieux. On l'a entendu runner dans les débats. Puis, on cherche tant, il n'y a pas grand. Dans un voilier, hein, il y a tout un restriction de place. Puis, je pense que c'est celui-là qu'on pourrait fitter plus facilement. C'est sûr que ça aurait été le fun d'avoir un qui va débiter 10 litres à l'heure, mais il y a un compromis entre le prix et l'utilisation. C'est d'autres méthodes d'avoir de l'eau aussi. Il n'y a pas juste des dessalinateurs. C'est sûr que quand on va avoir la chance d'avoir accès à l'eau qui va être facilement et gratuit, on va pouvoir y avoir accès aussi. Fait que c'est pour ça que le dessalinateur, c'est là, c'est le fun de l'avoir. Il y a d'autres façons aussi d'avoir notre eau. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai fabriqué. C'est un filtreur pour l'eau de puits. Parce qu'on peut récupérer l'eau de puits. On implique que c'est pas trop dans les grosses villes. L'eau de puits est super bonne à boire. Là-dedans, c'est un tuyau 4 pouces, 20-25. J'ai acheté un filtreur, on appelle ça un soft filter, un filtreur bas. Dans le fond, c'est un filtreur 4 pouces, 1 micron. Tu rentres ça là-dedans. Tu dévies ton eau de puits là-dessus, dedans. Puis tu peux remettre un tuyau pour remplir directement tes tanks.
En étant gros, tu as un gros débit en ce moment-là. On pourrait tout filtrer. Fait que nous, on a deux tanks sur le SCA. Une tank qu'on va servir pour le dessalinateur, puis l'autre tank qu'on pourrait servir pour récupérer l'eau de puits en ce moment-là. Parce que le dessalinateur, on veut avoir une tank d'eau séparée carrément pour si l'eau se gaspille, quoi que ce soit, et aussi l'eau qui ne sera pas chlorifiée si on a besoin de refiltrer l'eau au travail et qu'on fait un backwall à notre dessalinateur pour nettoyer. Fait que ça, c'est nos méthodes qu'on va faire pour installer, pour avoir de l'eau potable à part. Comme j'ai dit, on a acheté beaucoup de fittings. C'est des fittings John Guest. On a acheté la hose un peu plus longue qu'est-ce qu'ils venaient avec. Je trouve ça c'est un peu plus rigide et qu'est-ce que les autres ils fournissent avec. Et avec les fittings John Guest, je pense que ça va être plus fiable un peu à ce niveau-là. Tantôt, on a parlé de l'eau potable. Là, on va parler de nos eaux usées. On sait que les eaux usées sur un voilier, c'est tabou. La senteur qui va avec. Nous, on avait le typique problème de senteur. Fait qu'on a décidé de vouloir changer tous nos boyaux. Au fil des années, il vient imperméable, la senteur passe au travail des boyaux. Puis on a enlevé tout, on a commencé tout enlever nos boyaux, puis on a dit on va en profiter, on va sortir notre tank d'eau usée noire, on l'a sorti, on l'a nettoyé, on l'a frotté, mais on réalisait que le plastique, il sentait quand même. Fait, tout faire ce travail-là, tout changer les boyaux pour avoir une tank qui sent pas bonne encore. Fait, là, après ça, on s'est mis à penser, bon, on va-tu mettre une toilette compost ou on garde pour acheter une nouvelle tank? On a regardé encore une fois les pour et les contre. On est resté dans l'idée qu'on va mieux l'espace restreint qu'on avait, tout ça, puis on a décidé, bon, on va regarder, on a regardé aussi ce qui était sur le marché des toilettes, puis c'était beaucoup plus encombrant, plus gros, plus haut. Fait qu'on a décidé de rester comme qu'on avait une installation. Le challenge, c'est de trouver une tank. On voulait une tank idéalement d'origine, fait que Marina Gosselin, Stéphane, ils nous ont trouvé, ce qui était plein apprécié. Ils ont réussi à trouver ça, puis on était bien content qu'on en trouve une qui fit là, sans trop de fitage. La tank-là est un petit peu plus longue que celle d'origine. Et qu'est-ce qui arrivait, c'est ce que j'ai vu, c'est dur, on le fait encore une fois, on le fait une installation virtuelle, on n'est pas voyé, on a juste quelques morceaux des teintes, on essaie, avec des photos qu'on a prises aussi, on essaie de voir qu'est-ce qui va fitter. Ça prenait des fittings. Qu'est-ce qui est de particularité avec un voyer, c'est un voyer Beneteau qui est fait en France, c'est que toutes les fittings, c'est tout du BSP thread, c'est du British Standard Pipe Thread. Ici, en Amérique du Nord, on ne peut pas retrouver des fittings comme ça, c'est toutes des fittings American Pipe Thread, ça ne fit pas. C'est très difficile de trouver des fittings comme ça. Fait, ils viennent de l'autre bord, ils viennent de UK. J'ai réussi à trouver des fittings. Puis là, ben, on va tout le temps s'assurer de ne pas en manquer. Fait qu'on a acheté plus que pas assez. On essaie de tout penser aux éventualités des fittings qu'on va avoir besoin. On essaie aussi en même temps de tout le temps simplifier l'installation. La tank, c'est une tank quand même d'origine, mais elle vient qu'une hose de 2 pouces sanitaire. Les hoses 2 pouces sanitaires, là, c'est pratiquement pas trouvable. Fait que c'est sûr que je ne vais pas monter ça sur 2 pouces. Fait que j'ai réussi à trouver un réducteur en BSP thread que je vais pouvoir installer. On va pouvoir installer ici aussi. Fait qu'à place d'avoir la valve Y, soit la sortie du macérateur ou le pump-out, ben, je vais en faire une valve directe parce que ce tank-là est venu avec une sortie supplémentaire qu'on n'avait pas sur notre voilier, avec un pick-up tool. C'est-à-dire qu'on a un tuyau dans le dessus qu'ils vont pouvoir utiliser pour quand on fait le vide sanitaire. Puis notre passe-coque aussi, d'origine, c'est en aluminium. Beneteau, ils ont installé en aluminium. Mais qu'est-ce que ça fait d'aluminium, puis de l'eau, puis ça fait de la corrosion, ça fait du vert et gris. Ici, le bout aussi, il avait tout gonflé sur le nôtre. Fait que là, on a réussi à en acheter un d'origine en stainless cette fois-ci. Fait qu'il n'y aura plus ce problème-là. On a aussi acheté un macérateur. Parce que sur le lac Champlain, on sait qu'on n'a pas nos eaux usées dans le lac. Le macérateur fait plusieurs années qu'il est là. On ne sait pas s'il fonctionne. Je ne vais pas arriver à l'heure au bateau pour dire qu'il ne fonctionne pas ou on a besoin d'un. Fait qu'on en a acheté un pour être sûr. En même temps, comme dit, les hausses 2 pouces sont très difficiles à avoir. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout changé. J'ai eu un passe-coque d'un pouce et demi. Fait que ça va être pour la ventilation du tank. C'est bien important que le tank soit bien oxygéné. D'origine, c'est environ un pouce le boyau. Fait que je ne veux pas acheter un pouce. Non, il est un pouce et quart. Fait que je ne veux pas acheter un boyau d'un pouce et quart, un pouce et demi, puis deux pouces. Fait que je vais garder ça plus simple. Ça va tout être monté sur un pouce et demi, sauf à partir du macérateur, que ça c'est standard, c'est un pouce à partir de là. Ah, puis on a aussi des Joker Valves. On a des Joker Valves en stock. Fait qu'on en a acheté deux pour être sûr que ça c'est un item de maintenance qu'on a besoin. Là, je vais rajouter qu'en plus des fittings BSP. Ça ici, là, cette fitting-là, là, c'est pas trouvable nulle part. Si vous en voulez une de remplacement, parce que j'en ai vu sur des forums, des selling forums, que le monde en cherchait, parce que ces fittings-là ont craqué, c'est pas trouvable. Moi, j'ai réussi à les trouver. Malheureusement, il y a une commande minimum à faire pour avoir les pièces, mais au moins, vous pouvez en avoir. Ça existe, on est capable d'en trouver. Très particulier pour vraiment ce système de montage-là et ces bateaux-là.
Cet été, on a magasiné des tanks de propane. On a deux tanks en aluminium de 10 livres et on a une petite 5 livres sur le bateau qui sert pour notre barbecue. On voulait augmenter un petit peu notre capacité de propane. On a regardé des tanks marines, sont très dispendieuses. Puis l'espace qu'on avait aussi, puisqu'elle, elle va en dessous d'un banc qu'on a sur le deck arrière. Comme ça, on a une déjà comme ça, qui est déjà commence à trouiller pas mal, mais est encore bonne. Fait qu'on s'est promis une de spare comme ça, on a arraché un autre en acier. Puis qu'est-ce qu'on a fait? Ben, j'ai peinturé avec la peinture au zinc, puis j'ai mis un clear trim clad dessus, moi, pour pouvoir augmenter la résistance. Fait, d'après moi, ça va être une bonne option. C'est beaucoup moins cher que d'acheter une teinte d'aluminium ou une teinte de fibre de verre. Puis nous, notre espace était restreint, puis on a déjà quand même 2-10 livres en aluminium. Fait que ça, on va pouvoir la mettre de l'autre côté. On parlait un peu de réfrigération. Un autre gros problème qu'on voit souvent, c'est les voiliers. Moi, ce que j'ai fait, je me suis équipé pour pouvoir faire la maintenance, premièrement, de notre voilier, puis pouvoir peut-être aider les autres aussi s'ils en ont besoin. J'ai acheté un kit de gauge au complet pour pouvoir faire le remplissage des systèmes de climatisation ou de réfrigération. Avec ça. Puis, on a aussi, un peu, acheté une pompe pour la climatisation. C'est très important de faire un vide. Une fois qu'on vide le système d'air climatisé ou le système de réfrigération, on fait un vide pour être sûr de bien évacuer toute l'humidité qui peut y trouver dans le système. Ça fait un système qui va être nécessairement plus efficace, mais c'est la base de la climatisation, de la réfrigération. Fait qu'on a une pompe qu'on va pouvoir faire des jobs de réfrigération sur les voiliers pour s'équiper. Puis le gaz, évidemment, c'est tout du R134. Au Canada, on ne peut pas en avoir à moins que licencié et les tanks. Puis ils vendent tout le temps des grosses bonbonnes. Bon, tu n'en as pas su le voyer. Mais tu vas au bar au Walmart, ils en vendent des étagères pleines. Des petites bonbonnes, je crois, c'est 5 onces. Là. Puis on en a en stock en masse dans le voilier pour pouvoir compenser. Nous aussi, on a un frigère qui a un problème avec. Il fait une perte. J'ai réussi à trouver la fuite. C'est juste des seals. J'ai réussi à acheter les seals pour ça. Fait que là, on attend. On va être tout équipé pour le réparer, mais qu'on entend au voyer. Pour repérer notre frigidaire. Une autre idée qu'on a eue, à place d'avoir une télé, c'est de s'acheter un écran d'ordinateur. C'est beaucoup moins dispendieux que d'avoir une télé qui fonctionne sur le 12 volts, qui soit marine ou pour les RV. Le problème avec ça, c'est que cet écran-là fonctionne sur le 19 volts. J'ai réussi à trouver un adapteur qui fait du 15 volts à 20 volts, dépendamment des adapteurs universels qu'on utilise. Je l'ai assis, je l'ai branché dans l'auto, puis l'écran fonctionne. Fait qu'elle, ce qu'elle va faire, c'est prendre le 12 volts du voilier et elle augmente à 19 volts nécessaires pour marcher l'écran. Avec ça, il y a des ports HDMI. Je peux brancher mon iPad dessus, je peux brancher le laptop qu'on a, puis je peux même mettre Navionics au travail du iPad sur l'écran si je veux un écran plus grand. Puis c'est important aussi, c'est un moment de pluie où il ne fera pas beau, on pourra écouter des films Netflix avec ça. J'espère que ces petites vidéos-là de notre installation virtuelle vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, postez-les en bas sur YouTube. Ça me fait plaisir de vous répondre. Merci.